C'est tout le monde, c'est Théo, comptez-vous écouter, moi ça va extrêmement bien. Prenez de quoi boire, de quoi vaper, une petite box, et on se rend directement en Amérique. On va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de ça, de la gamme Marshmallow qui m'a gentiment été envoyée par le Vest. Le lien est en description, c'est uniquement pour les professionnels. Et on va parler de ces liquides-là. Alors, les marques Marshmallow, qu'est-ce que c'est? C'est des liquides que moi j'avais connus il y a très longtemps sur Instagram. Par, du coup, c'est Marina Vap Distribution qui distribue ça du coup en Amérique. Et j'ai toujours voulu tester ces liquides-là. J'ai eu l'opinion maintenant de tester ces trois liquides-là. Premier liquide, on est sur un marshmallow classique. Le deuxième, on est sur un marshmallow avec un peu, tu vois, la sensation de le brûler au bois. Et le troisième, on est tout simplement sur un marshmallow à la fraise. Je les ai testés, je les ai acceptés. Et maintenant, on va faire un compte-rendu. On est vraiment sur des packaging assez esthétiques. Bon, pour le premier du nom, c'est vrai, on tombe sur un marshmallow assez classique. Et pour le fraise également. Mais alors pour le marshmallow numéro 2, le packaging, il est vraiment classe. Vraiment, vraiment classe. Au niveau composition, propylène glycol, glycérine végétale, pour le numéro 1 et pour le numéro 3, on sera sur une capacité de 70-30 avec un flaconnage de 50 ml en 0 TPD oblige. Pour le deuxième, on sera sur du 100% VG, glycérine végétale, pour faire un maximum de vapeur. Et ça sera nickel. Au niveau du packaging, on retrouvera principalement, c'est bah déjà la description du liquide, marshmallow, jusque là, c'est assez simple. Un petit dessin sur les côtés, c'est toujours ça de plus. Donc, hop, ça nous fournit tout ça. C'est vraiment très classe. Mais on retrouvera également interdit aux femmes enceintes, le moins de 18 ans. Sur le côté, on pourra voir les liens pour contacter directement Marina Vap, donc que ce soit leur logo, leur hashtag pour Twitter, et également leur @ pour Instagram. Ce qui est cool, c'est que même si ça vient d'Amérique, ils font quand même retranscription française. Donc vous retrouverez toujours un petit panel, attention, en version français. Quand vous les achetez directement en Amérique, ils seront disponibles en 0, en 3 ou en 6 mg de nicotine. Ça, c'est très cool. Ce qui est également très bien, c'est que certes, on est sur un flacon de 60 ml complet avec un flaconnage rempli à 50 ml. Ça veut dire qu'il vous laisse quand même l'espace pour mettre un booster en 3 mg de nicotine. Alors, pour les avoir testés, c'est vrai qu'ils sont très très bien, très sucrés. Alors, les personnes qui vapent sur des petits atos, j'ai pas d'atos là sous la main, TFV12 Prince, les résistances en caisse, bien, mais attention quand même à vos résistances. Là, je suis sur un dual coil Flatwire NI90. Ça tient le coup, mais je pense que le coton, et je vais devoir faire un petit dry burn, parce qu'il encaisse quand même pas mal au niveau des liquides sucrés. Mais alors là, je pense que... voilà. Bon, vous n'allez pas voir vu qu'il fait noir, mais ça marche plutôt très, très buenos, ce petit Flatwire, qu'on viendra évidemment en reparler très prochainement, je te dis. Au niveau de la saveur, on est vraiment sur du liquide bien sucré. C'est vrai que vaper, se dire tiens je vape du marshmallow, c'est assez spécial parce que au niveau du liquide, c'est tout ou rien. Soit ça passe, soit c'est horrible. Et là je peux vous dire que le premier, le deuxième comme le troisième, ils sont excellents. J'ai mon gros coup de cœur et je m'attendais pas du tout à ça, je m'attendais plutôt au deuxième qui est un aspect un peu brûlé au feu de bois. Et bah c'est celui-là, c'est celui à la fraise. Alors, la description du site, c'est le petit troisième de la gamme Marshmallow Man, résolument le plus gourmand, un chamallow infusé à la fraise qui vous réveillera les papilles. Et bah ouais, c'est une tuerie. Sérieusement, si vous aimez la fraise, l'aspect un peu thé et le marshmallow, alors là, sincèrement, un délice. Vraiment un régal. Le premier du nom, donc le marshmallow des plus classiques, j'étais un peu déçu parce que pour moi, je trouve que c'est un liquide fort sucré, mais un peu plus sucré que la fraise, du coup, le troisième, ça m'écœure un moment, ça m'écœure, je trouve ça un peu dommage, je le garde quand même sous la main, parce que ça change de la fraise, du coup,
et il est quand même très très bon. Le deuxième, il m'a rappelé pas mal de petites choses, par exemple les petits feux de bois avec les chamallows. On tombe vraiment sur cet aspect là, liquide quand même plutôt bien sucré, on va pas se le cacher. Et voilà. Alors, la question c'est, est-ce que je les ai nicotinés ou pas? Non, je les ai vapés en zéro de nicotine parce que j'ai pas envie. J'ai pas envie tellement que les arômes sont doux, pas agressifs en bouche. Le sucre vient bien se poser, on a vraiment l'impression de bouffer un chamallow. J'ai pas envie de mettre de la nicotine. Alors, je les vape vraiment en zéro, sensation assurée. C'est des valeurs. Vraiment, vous pouvez foncer là-dessus. C'est nickel. Bah vous savez, moi qui adorais voir ces photos-là des personnes publiant les photos de chez Marina sur Internet, bah merci Le Vest, sincèrement et du fond du cœur, merci parce que ces liquides-là, eh bah c'est un régal. C'est un régal et c'est vrai que entre la première version et la troisième version, donc le nature et le fraise, bah c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que si on met une fraise sucrée en plus de quelque chose qui est déjà sucré, ça serait vraiment écœurant et là ça se pose très bien. En parlant de choses écœurantes, est-ce que le liquide peut être écœurant à la journée? C'est vrai que moi j'ai l'habitude de switcher entre différents liquides sucrés, fruités. Là, j'ai réussi à tenir. Mais c'est vrai que toute la journée, je vous conseille de vaper, de prendre un autre tank ou un autre dripper sur le côté parce que votre corps, à force, il encaisse plus trop. Moi je dis ça, je dis rien. Justement, je suis en train de vaper un autre liquide. Je dis ça, je dis rien. On viendra en parler plus tard. Mais c'est plutôt buenos. Alors, les Marshmallow Man, qu'est-ce que je peux en dire? Résultat, 10 sur 10. Je vous mettrai des petits écriteaux, si c'est pas passé avant ou après le montage. Je verrai quand je ferai le montage. Vous voyez, autant, il est pas très... Il fait pas très jour dehors. Donc, je verrai pendant le montage si je vous mets des petits écriteaux. Un côté plus, un côté moins de mon petit compte-rendu de ces liquides-là. Mais, sincèrement, si vous avez l'occasion de vous les commander ou même de dire à votre magasin, tiens, fais-toi un compte chez Le Vest Distribution, achète-moi des marshmallows, j'ai envie de les tester. Bah faites-le à 100% parce que c'est très bon. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à ces liquides-là, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. On se retrouvera demain pour tester, faire un petit retour backup, des liquides de chez IVG Liquide. On se retrouvera petit à petit dans la semaine également pour d'autres vues. Pareil, il y a un peu de liquide, il y a un peu de douche, j'en dis pas plus. Puis voilà. Plein de gros bisous. À très bientôt, je retourne vaper mes marshmallows. C'est vrai que dire ça, c'est très bizarre. C'est tellement agréable. Et pourtant, vaper des gros liquides sucrés, par exemple, je vous avais dit pour le Banger Fisheye, c'est un liquide quand même bien que star, mais à force, il m'écœure pas mal. Mais alors là, le marshmallow... La fraise, elle est tellement un peu crémeuse, c'est nickel.